Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en mode défi. Si vous n'avez pas vu mon dernier vlog où je tente de jouer en utilisant uniquement le driver, je vous invite à aller y jeter un œil. N'hésitez pas évidemment comme d'hab à liker cette vidéo si elle vous plaît, à me dire tant qu'à faire si vous appréciez ce type de format et à me donner vos idées de défis que je pourrais tenter de réaliser pour un prochain vlog. Comme d'hab, un petit tour pour celles et ceux qui veulent des cours sur mon site internet flawlessgolf.com. Quant à la formule maison du jour, je peux utiliser tous mes clubs, mais en revanche, je n'ai pas le droit au coup d'essai. Et vous allez voir, c'est parfois très dérangeant. Oh pardon, j'ai fait un waggle. Purée. Ça y est, allez, un coup de pénalité. Ok, salut les amis, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors, je suis au golf de Margaux, entre les cours, j'ai tapé un petit saut de balle et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo? L'idée, ça va être un vlog sur le parcours où je ne vais pas faire de routine ou de swing d'essai. Et tenter malgré tout, juste avec, on va dire, un peu d'instinct et de kinesthésie, c'est-à-dire du ressenti du corps dans l'espace, de visualisation, tenter quand même de faire des bons coups de golf. Donc, pas sans routine, mais avec une routine différente, dans laquelle je vais devoir faire un peu plus attention au ressenti sur l'instant présent, vraiment me focaliser sur ça pour réussir à faire les swings les plus délicats possibles, malgré le fait que je n'aurai pas le droit du coup au coup d'essai, pour ressentir tout ça et me mettre ça bien dans la tête avant de jouer. Donc c'est pas forcément un exercice facile, mais c'est intéressant. Donc j'ai déjà trouvé un truc au pratique, c'est pas trop mal, qui va être en fait, donc soit je démarre sans rien bouger, ce qui est vraiment pas facile, soit je démarre, du coup je prends mon setup, et ensuite j'ai le droit d'aller me mettre en position, et ensuite de démarrer. Quand je fais ça, c'est pas mal, c'est un bon exo déjà de le faire au practice. Ça permet d'avoir, en fonction en fait simplement de la manière dont je vais me placer, varier les trajectoires. Un peu plus ici si je veux un fade, un peu plus ici si je veux un draw, ici si je veux un draw bas, ici si je veux un fade haut. Donc en fait, en fonction de la manière dont je vais me placer pour démarrer le swing et retrouver cette position d'impact, je vais créer des trajectoires. Donc ça fonctionne plutôt bien. Donc pas de swing d'essai, uniquement du ressenti. Je vais essayer de la faire, toujours refaire cette écrasée en gros. Un peu en cut, un peu clean. Un cut. Donc vous voyez, je ne fais pas de swing d'essai, j'ai uniquement une position d'impact. Alors déjà, je prends mon setup, hein, normal par contre. C'est le minimum si on va faire un bon coup de golf. Et ensuite, j'essaie de trouver la zone d'impact, comment je vais devoir me retrouver, et je recrée exactement cette zone d'impact quand je tape. Bas en draw. Ici. Ici. Donc vous avez capté l'idée, hein, de se mettre devant la balle, donc c'est vraiment un saut d'échauffement avant d'aller sur le terrain. Sinon je peux aussi démarrer sans rien bouger. Je vais faire un draw un peu haut encore. La balle était cassée, mais dans l'idée. Donc sur le parcours saut, je vais m'amuser, me permettre à faire ça pour démarrer et trouver les bons angles. Soit je vais démarrer en étant complètement statique. Et dans ce cas-là, ce sera vraiment du ressenti, du pur et dur. En fait, le focus n'est pas le même. Entre là, ensuite, je ne sais pas trop ce qui se passe et je retrouve cette position d'impact et je démarre de rien du tout. Et je dois absolument tout créer dans la dynamique pour essayer de taper la balle comme je l'imagine dans ma tête avant de la frapper. C'est pas exactement le même exercice. Mais bon, en tout cas, je suis prêt. Allez, par 5, 440 mètres. Donc j'ai dit pas de swing d'essai, sachant que je viens de passer une demi-heure à froid dans ma voiture à bosser sur mon ordi. Donc pouf, premier swing en une demi-heure. Allez, et un peu devant gauche droite, c'est un par 5 qu'on peut choper en deux, par-dessus l'eau et ensuite on l'a trouvé dans les arbres là-bas. Allez, fit. Et ça va. Pas facile mentalement de se dire, faut vraiment s'imaginer, ça permet d'être vraiment focus pour le coup, sur le coup à jouer. On se l'imagine,
on va dire kinesthésiquement parlant avant de swinguer. C'est-à-dire que avant de swinguer, j'imagine déjà en fait tout le geste et tout le ressenti du club dans l'espace et la manière dont mon corps va bouger quelques secondes après pour venir frapper la balle en rapport avec la trajectoire que j'ai envie de créer. En l'occurrence, c'était un fade un peu haut pour me servir du vent pour aller un peu plus loin. Donc vraiment, j'imaginais que, ce que j'ai fait, c'est-à-dire ça et revenir là. Ça permet de se concentrer vraiment sur la sensation en fait. Donc c'est plutôt drôle. Allez, un bon coup de drive pour commencer plein fairway. Il va me rester un coup de fer 3, peut-être coup d'hybride dans l'optique où je vais taper un peu moins fort puisque je vais être dans du contrôle et un peu moins de relâchement musculaire du fait de ne pas avoir fait de swing de practice. Là non plus j'ai pas le droit, donc je vais toujours être entre guillemets à froid. Ce qui veut dire que je pense qu'il va falloir surcanner à chaque fois. En l'occurrence, je vais taper donc à 200 mètres. Normalement, c'est un fer 3, mais là, je vais taper un hybride. Je pense que ce sera pile la canne. Plutôt partie gauche du green là-bas qui est encaissé dans les arbres. Ça pousse toujours un peu contre gauche-droite. Donc finalement, c'est peut-être même la canne si j'étais chaud. Hein, donc je vais le jouer en confiance. À fond, quoi. Et on va essayer de se focaliser sur la trajectoire. Sur le départ de la balle. J'ai le droit de prendre mon temps pour le setup au moins. C'est le seul luxe que j'ai. Ok, je suis bien aligné. Non, feel it good. Oh, elle est pure. Oh, elle est so pure. En anglais. Green, parfait. Tout petit peu trop de cut, je suis content. Je vais pas mentir, je suis moi-même étonné de la manière dont je frappe. J'avais jamais fait cet exercice-là véritablement. Je l'avais fait un petit peu vite fait quand j'étais plus jeune. J'avais eu du mal, je me souviens. Et là, tout à l'heure au practice, franchement, j'ai trouvé ça même plutôt simple et facile. Je pense que, parce qu'en ce moment, techniquement, je connais mon swing. Donc je joue en confiance, même sans réelle routine, entre guillemets, sans swing d'essai. Et ça reste quand même un très bon exercice. Ça me correspond plutôt bien puisque je suis un joueur de sensation. Maintenant, il y a des joueurs pour lesquels ça sera, si le test hein, plus compliqué, parce qu'il va falloir se rassurer mentalement avec certains points de repère vraiment à prendre avant de frapper, des coups d'essai pour se rassurer pour le contact, etc. Ce qu'on apprend en fait à tous les golfeurs à faire, hein, les coups d'essai c'est important, mais preuve en est qu'en fait on peut bien jouer même sans coup d'essai, donc je pense que c'est un bon exo. Pour ceux qui ont du mal, c'est intéressant pour réussir à se focus sur des sensations et globales plutôt que sur des trucs qui prennent trop la tête, parce qu'en vérité, hein, moi j'ai pas la sensation de changer grand chose si ce n'est le fait d'avoir un coup d'essai, parce que finalement je suis toujours un peu dans le même style, c'est-à-dire focus sur la visualisation de la trajectoire, essayer de mettre en place ce que je vais mettre comme trajectoire vraiment par rapport au focus, pas tant, je pense pas technique quand je joue en fait en réalité, donc là ça me change pas forcément grand chose. Disons qu'il faut juste faire un petit peu plus confiance à son swing, parce qu'avec les swings d'essai ça nous permet d'avoir quand même mine de rien quelques petits points de repère, mais force est de constater pour le moment, pour l'instant, que ça ne change pas grand chose dans mon jeu. Donc à tester. Ça va peut-être être beaucoup plus compliqué pour tout ce qui est petit jeu, putting justement, parce que ça pour le coup il y a besoin de vraiment de feeling, petit jeu notamment, mais bon, on va voir, peut-être pas tant que ça. Donc je vais faire 4-5 trous en mode vlog comme je vous l'ai dit, et on va essayer de faire du mieux qu'on peut, sachant que là on peut même commencer par un eagle quoi. Allez, un eagle, juste 3 swings, c'est tout. Bon, évidemment les petits padawan, comme d'hab, on change pas les habitudes. Normalement pas besoin de le dire, mais bon, on va le dire quand même, on change pas les habitudes. Pousse pitch. Bam. Allez, on pousse le petit pitch. Putt pour eagle sur ce premier trou. Donc ça serait pas mal. Donc les greens ne sont pas en fabuleux état. Hein. Mais bon, ça peut rentrer, ça va rentrer. Allez, ici à Margot, c'est très simple, c'est fort tout droit. Bien sauté. Birdie. Allez, petit birdie. C'est cool. Bon, si tout se passe bien, et pour l'instant tout se passe bien, logiquement, il faudrait le même nombre de coups que le nombre de swings. Alors, si on parle de plein coup, logiquement, sur 5 trous, moi, je vais essayer de faire 5 trous, peut-être 6 trous, je vais avoir en moyenne 2 coups pour atteindre les greens. Enfin, je vais mettre en moyenne 2 coups pour atteindre les greens. Donc, si tout se passe bien comme ça, j'aurais fait à peu près 10 swings en une heure de temps de vlog, donc au moins je me blesse pas. Allez, par 4, très compliqué. Donc on va essayer de rester sur la même lancée. Allez les amis, on continue sur un par 4 qu'on pourrait qualifier de
de solide, un solide par 4 de 350 mètres, un truc comme ça. On est un tout petit peu avancé, mais tant mieux. Il y a vent dans la tronche, du fond, c'est encore plus en biais. Là, en gros, c'est tout droit là-bas, mais c'est un petit peu désaxé. Il y a un canal qui serpente le long à droite du trou. Il y a le talus avec le hors limite, les arbres qui viennent très vite. Et même si on est au milieu, il y a quand même un arbre qui nous gêne au second coup. Donc, il y a beaucoup d'obstacles sur ce trou. Pas trop le choix. Normalement, c'est petit droit en direction de l'arbre, partie droite du fairway qui revient vers le milieu. Et si je réussis, normalement, je devrais me laisser une canne plutôt courte en second coup. Voilà. Donc, pas de swing d'essai. Hein. Putain, ça fait bizarre. Hein. J'ai envie à chaque fois pour que je me retienne. Allez, focus sur la visualisation. Comme j'ai dit, vers l'arbre avec le petit draw. Comme d'hab, feel it good. Ok. Oh, mais que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est ce magnifique golf? Eh bien, c'est tout simplement le golf du manoir Richelieu. J'ai prévu d'aller le vlogger en juin et peut-être que vous serez sur la vidéo, qui sait. Ça se passe du 4 au 11 de cette année plus exactement. Il ne reste que quelques places et peu de temps pour s'inscrire. Alors foncez les amis, le lien pour toutes les infos se trouve en description de cette vidéo. Allez, on est reparti. Ça va, le vent pousse un tout petit peu à droite visiblement. Puis là, celui-là, je suis allé le chercher mentalement au fond des tripes parce que même si c'est pas forcément vu peut-être, j'étais là, bon, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais pas super serein non plus, quoi. Donc du coup, j'ai fait, c'est bon. Elle est restée bon. Tout ça, c'était dans la tête. En visuel, je suis sur le fairway, tout est bien. Ok, on arrive sur le fairway. Même si on dirait pas du fairway. Donc l'arbre que je visais, bébé draw, hein, j'avais dit. Hein, donc je suis 3 mètres à gauche du tronc, juste là, c'est parfait. Cet arbre, si on est trop à gauche, il gêne aussi. Celui-là, si on est court, il gêne aussi. Le petit canal là-bas, qui est tout du long, qui passe ensuite devant le green. Voilà, donc un trou vraiment compliqué. Et bon, tout va bien, il va me rester à peu près 100 mètres, 105 mètres, ouais. Début, un petit 118 au drapeau, je pense. Ouais, on va jouer à peu près ça. Donc là, c'est complexe parce que là, je vais avoir un premier coup de golf où je vais devoir réellement doser quelque chose sur un swing, parce que normalement là 116, allez je dois avoir 116, un peu de vent con, donc on va faire quasiment du 120. Normalement c'est pas un plein pitch, c'est plutôt un demi pitch, donc il va falloir que je trouve ma demi amplitude sans devoir faire de coup d'essai, donc un peu plus compliqué je pense mentalement, faut que je l'imagine quoi. Non direct j'ai envie de le faire quoi. Pas beau. Ah ouais, pas facile. Pas facile sur un petit coup là. C'est pas très très logique là. J'aurais peut-être dû mettre un petit effet pour pouvoir me permettre de créer quelque chose parce que là, c'était pas clair dans ma tête. Ça s'est vu direct sur le résultat. Mais bon, je suis à côté du green, ça va. On essaie de faire chip putt. Ok, donc pas de swing to say sur ce chip. Bon, je la place hein, parce qu'ici à Margot, les lies, c'est pas tip top quoi. Donc on va se mettre des bons lies quand même. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Et juste visuellement. Ah, je sens que ça va être compliqué pour les chips. Hein. J'ai envie de faire des swings juste avec la main et imaginez au moins l'envoyer à la main quoi. Genre, ouh, je peux pas. C'est très frustrant en fait. Très très frustrant. Limite, je vais l'imaginer au 9 quoi. Donc faire 9. Ça met la pression, c'est bizarre. On va faire 9. J'ai un point de chute. Feel it good. Oh non, faut qu'elle avance. C'est pas bon ça. C'est pas bon, purée. C'est un peu bizarre, j'ai une mini tendance à retenir un peu mes shots là. Ça fait 3 shots sur ce trou que je retiens un tout petit peu. Mentalement, il y a un travail à faire quand même. Ça va être un combat. Le birdie du 1, ça m'a mis un petit leurre dans la tête, là en mode t'es confiant, ouais, t'as raison. C'est pas terminé mon coco. Allez. Putain, pardon, ça tourne pas quoi. Bon, ma bogey. Ah, avec un drive comme ça, c'est chiant. Back to level par. Ok, on arrive sur le troisième trou. C'est un tout petit par 3 de 116 mètres. Le trou signature ici à Margot, trop mignon. Avec une pastille entourée de berlinoises. Et du coup, lorsqu'il y a marée haute, le green devient
enfin devient green en île, marée très haute, hein. Les gros coefficients, je vais vous montrer, c'est joli. Peut-être que vous connaissez déjà. Donc pas droit de faire de swing d'essai évidemment. 116 mètres, c'est un peu un remake du coup d'avant. Donc je vais prendre ça pour un challenge. Cette fois-ci, on va essayer de le réussir. Allez, on va pas essayer de le réussir. On va le réussir. Purée. On sent la confiance qu'on aura pour d'habitude. Allez, un peu par la droite. Avec un draw comme j'aime bien. On aura des branches. Allez, ma belle. Allez. Avance. Avance. Ok, ça va. Je suis plutôt au fond de green à droite. Elle n'a pas assez tourné, mais c'est un bon coup. Je prends. Regardez-moi comme c'est beau. Donc là, c'est pas mes rottes du tout. Hein. Avec l'estuaire qui passe de part et d'autre. Donc à droite, là-bas, derrière le green. À gauche aussi, vous allez voir, on va passer par un petit pont. Tout mignon. Juste ici. Bon, ça devrait être le kiff en fait, tellement c'est beau, il y a les petits oiseaux, on dirait presque, voilà, enfin clairement le printemps va arriver, c'est cool. Mais c'est super angoissant de ne pas faire de coups d'essai en fait. Et du coup, je devrais plutôt être en train de kiffer mes shots et je suis plus en train de les subir un peu, même si ça se passe pas trop mal, mais bon, pas facile, bon exo. Allez, je me tais, je vous fais profiter. Ah là, c'est mon spot préféré, j'ai fait le par, je vais pouvoir kiffer, trop beau. Alors, vous imaginez là, petit barbecue vegan évidemment, posé face à la Garonne. Alors non, justement c'est la Gironde, c'est l'estuaire qui se transforme en Garonne et Dordogne, juste ici. Avec les petits carrelés, parfois il y a des mascarés, parfois il n'y a pas de courant, parfois il y a du courant. Là il y en a un petit peu, qui remonte un petit peu vers la mer. Qui descend justement puisque les flux changent de teco. Puis voilà, hein, un golf juste à côté. Hein. Quelle bonne idée d'avoir un golf dans son jardin. Ok, on arrive sur un par 4 de 330. Dogleg droit avec des bois très étroits. L'idée là c'est de la mettre avec le vent qui pousse à gauche, par-dessus les arbres de droite, avec un petit draw qui revient au milieu de fairway pour ensuite attaquer le green qui sera derrière un obstacle d'eau à droite là-bas. Allez. Comme d'hab. Parfait. Bon les amis, clairement, première leçon à tirer, vaut mieux faire ce qu'on sait faire et ce qu'on sent. Clairement, ça paraît tout con dit comme ça, mais c'est pas nécessairement ce que tout le monde fait, même moi le premier. Hein. Quand on joue, parfois on se laisse un peu happer par certaines envies. Alors parfois faut tenter, hein, sinon on progresse pas, mais... quand on va être dans la performance, il vaut mieux faire ce qu'on sait faire, c'est aussi simple que ça. Pour le coup, il y a aussi une notion de, je remarque, de coup d'essai en fonction de la, du coup à jouer. C'est-à-dire que pour un swing classique, moi mon swing classique c'est un draw, j'ai pas vraiment besoin de coup d'essai, la preuve. Par contre, tout ce qui va être wedging, petit jeu, si vous regardez mes vidéos, vous remarquerez, et même les pros à la télé, qui font beaucoup plus de coup d'essai sur le petit jeu. Parce qu'il faut essayer de sentir un peu le rebond du club sur le sol, sentir comment l'herbe réagit. Un coup de bois 3 ou un coup de drive avec un tee sur un départ à plat, en fait, c'est pas. Les données ne changent pas. Donc, en fait, il n'y a pas grand chose, on va dire, à capter. C'est juste une histoire de confiance, surtout, et d'engagement, comme tous les coups de golf. Hein, mais le petit jeu, il y a un peu plus de recherche. Le wedging, on va essayer de trouver le bon dosage. Donc, on va essayer de faire des swings d'essai avec différentes hauteurs de swing, justement, pour essayer de retenir un peu, d'ancrer musculairement avant de swinger ce qu'on veut apporter comme changement, en fait, dans son swing classique, on va dire. Et ensuite voilà, c'est la variation finalement elle crée aussi le besoin de absolument de choper quelques petites infos. Pour les petits jeux ça se ressent beaucoup, pour tout ce qui est wedging aussi, et pour tout ce qui est major jeu c'est un peu plus facile, en tout cas pour moi. Voilà, j'arrête de parler parce que je suis essoufflé. On a un peu de réussite sur ce coup, j'ai pitché juste là, ma balle a fini ici.
Je pense avoir un plein coup de lobe wedge, enfin de 58 degrés. Je dois être à peu près à 72, allez, 73 début de green. Et ensuite, je dois avoir quasiment 20 mètres de drapeau. Donc, ça va faire un 90 mètres. Donc, je vais taper un plein coup de... Ouh là, je vais faire un plein coup de 58 degrés, pardon. Et on va essayer de la coller au tube. Allez. Un petit peu en draw. J'espère que c'est la bonne distance. Plante. Plante. Yes, papa. Bonne occasion de birdie. Allez. Allez, là, c'est l'occasion de revenir ou jamais. J'ai planté le tube, comme j'ai dit. Allez. Concentration jusqu'au bout. Faut valider. Birdie. Alors pendant longtemps, j'ai putté sans faire de coup d'essai, pendant peut-être 3-4 ans. Donc là, ça, pour le coup, pour le putting, ça me dérange pas. Je sais plus pourquoi j'avais fait ça, j'avais envie de m'enlever les pensées techniques simplement, et j'avais fait une espèce de reboot en me disant plus de coup d'essai, tu vas direct à l'instinct. Ça fonctionnait pas trop mal, donc en fait, ça me dérange pas trop pour le putting. Puis birdie, mine de rien, reviens à moins 1, allez. Ok, on arrive sur un par 4 pour le coup, celui-ci. Il est pas facile. Il est long, 370 mètres. Heureusement, on vend plutôt avec aujourd'hui, ce qui le rend beaucoup plus simple que quand il y a plein vent dans la tronche. Et il est assez large à la mise en jeu, même si on limite à droite et à gauche. Et ensuite, c'est le second coup qui se fait à droite sur un green encore en presqu'île avec de la berlinoise. Vous allez voir, c'est très mignon. Mais le second coup est en aveugle par-dessus en limite. Donc ça le rend assez stressant, surtout quand il y a beaucoup de vent. Aujourd'hui, ça va. Donc là, je vais juste mettre une grosse praline. Grosse praline en draw. Allez. Et attention, faites bien attention, mon pied va glisser, d'où l'importance d'avoir des chaussures propres. Oh non, reste à droite, tombe, tombe et kick à gauche. Ouh, j'ai de la réussite, je crois qu'elle est restée. Je vais mettre une provisoire quand même, parce que je suis pas sûr qu'elle soit restée en fait. Elle est peut-être limite, limite quoi. Oh, j'ai glissé. Ah bon, elle est là. Bon bah malheureusement je ne l'ai pas retrouvée, elle a dû être... enfin c'est pas le kick que j'espérais... Oh putain. Désolé. C'est pas le kick que j'espérais, elle a kické à droite la première je pense finalement, donc elle est hors limite je pense de pas grand chose. Donc je vais prendre la seconde, j'ai à peu près 135 au drapeau, je vais mettre un coup de fer neuf. Allez c'est pas grave, je suis de planter le mât pour aller chercher le bogey. Ah, je les pousse à droite. Hein. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Magnifique, hein. Donc là, voilà, green entouré de flotte, mais qui est considéré comme hors limite. Alors c'est assez grand, mais visuellement, ça fait peur parce qu'on voit pas vraiment depuis là-bas à cause du gros tas de ronces là. On a mon coup tout pourri là, il a fini ici. Je suis de la réussite parce que là, j'aurais pu être contre la berlinoise. Petite chip, et on va essayer de le coller. Allez. Alors on va reprendre fer neuf comme tout à l'heure. Essayer de faire mieux cette fois-ci par contre. Bon, pas de coup d'essai, j'ai quand même un point de chute. On va même essayer de la boîter tant qu'à faire. Allez. Faut y croire. Oh c'est rebond quoi. Les courtes de 1m50. Alors, on va essayer de terminer quand même. On va essayer de terminer quand même pour faire un petit double. Ce sera mieux que rien. C'est un triple! On n'a pas souvent sur la chaîne, mais celui-là, il est beau. 7, les amis, 7. Donc, quoi qu'il arrive, même si on fait un trou de merde, c'est pas grave. J'ai quand même essayé de me concentrer pour faire un coup de moins sur la carte de score, puisque l'arrivée, c'est le total qui compte. Je suis un peu vexé, donc je vais essayer de m'en servir quand même pour les deux prochains trous. Je vais pas trop vous parler, là, c'est bon, je me reconcentre à mort. Et on termine par, aller, au moins un birdie. Là. Ça va résonner là. Allez. Bon, j'ai eu de la chance là sur le drive qui est resté avec le bunker. Bon, je pensais qu'elle a attrapé un bout de fairway, mais bon. J'ai pas eu de distance, il n'y a aucun panneau ici, j'ai pas de bushnell, j'ai plus de gants, enfin bref, c'est le bordel. J'ai tapé un fair set et j'ai draw pour contrer un peu le vent.
Oh pardon, j'ai fait un waggle. Purée. Ça y est. Allez, un coup de pénalité. Là, c'est dur de se concentrer, c'est fatigant en vrai. Ouais. C'est un bon shot ça quand même. Avance un peu. Ah, courte, il y a vent contre et tout. Oh là là, c'était pas la canne. Allez, je vais insister avec le fer neuf, j'ai absolument envie de réussir ce chip au fer neuf, ça fait deux fois que je la mets courte. Donc là, celle-ci, c'est bon, j'ai capté. Allez, je l'ai. Ah, j'ai mis de la vitesse, évidemment, elle est longue. Oh purée! On va en sauver un peu encore. Allez, j'ai presque plus de plaçon avec RTSD, il faut que je me dépêche. Je vais faire le dernier trou, donc je me concentre pas. Ça tombe bien. Allez, un petit bogey. J'avais dit un birdie, qui pas un bogey. Allez, une minute de carte SD pour finir le trou 18. Donc ça va être non seulement nos practice swing, mais aussi nos routines. Elle est parfaite. Allez, on se dépêche. Lol. Allez, le genre de coup, j'ai pas le temps de réfléchir. Ça tombe bien, green on hill, donc il n'y a pas besoin de réfléchir, hein. Faut se dépêcher, comme ça la peur ne s'installe pas. Coup de fer 6. Allez, la belle. On va peut-être finir sur un pote pour rigole. Et oui, allez. Pour que vous puissiez capter, voilà, green on hill. On ne voit pas vraiment, mais quand on arrive, on comprend. Bon coup de fer 6, allez, pote pour rigole. On va essayer de le rentrer à l'instinct. Allez, on se dépêche. Allez, l'instant il n'y a que ça devrait déjà. A plus!